part du principe que l'existence du chrétien est une vie de foi qui opère dans la charité et déborde d'espérance dans l'attente du retour du Seigneur dans la gloire, une gloire à laquelle nous sommes tous destinés. C'est dès maintenant que nous avons à nous comporter sur terre, illuminés par cette perspective de la gloire définitive qui se trouve en Dieu. Cette attente du Christ glorieux et cette perspective de la résurrection doivent nous stimuler dans notre désir de la conversion. Se convertir, c'est aussi convertir nos styles de vie, nos avidités, c'est résister aussi à la dégradation de l'environnement par l'homme et c'est s'engager pour plus de justice et de paix et de partage des ressources. Malheureusement, l'homme agit de plus en plus comme un prédateur alors qu'il doit être un cultivateur, nous dit le pape François. La terre est confiée à l'homme, mais la terre reste à Dieu. Dieu espère en nous, ne le décevons pas.